Vas-y, passe. Tu me fais chier, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Mitoni doit intervenir demain. Je pense que c'est une opportunité pour tous les Marseillais. Oui, en effet. Olivier de Mitoni a donné sa d'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Bah, effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à conclure ce dossier, mais il peut créer la surprise. Oui, c'est vrai, en 24 heures, c'est possible. Il paraît que pour 2013, ils vont tout changer sur le Vieux-Port, t'es au courant ? Ben ouais, j'ai entendu parler de ça. J'ai essayé d'avoir un interview avec Olivier Mitoni, mais bon, pas évident le gars. Et comment ça s'est passé alors ? D'abord, ils doivent vider le Vieux-Port. Ouais. Et puis après, ils doivent couler une dalle, enfin, il y a un truc... Ah ouais, t'es au courant quand même. Voilà. Ben c'est là en fait, on avait fait une interview l'autre fois, c'était pas mal, tu vois. Juste à côté du ferryboat, tu vois, c'était ça. Il parle le trou aussi. Allô ? Quelle défiscalisation ? De quoi tu parles ? Ma société est au Luxembourg, là. Je suis pas imposable. Ouais. Mais dis-moi un truc. Ta société, elle est où ? La Casa ? Ou Rabat ? Hein ? Non, parce que, écoute, je dis ça... C'est parce que je vais ouvrir une petite entreprise au Maroc... Dis-moi, ça te fait quoi alors d'être célibataire ? Quoi ? Ah oui ! C'est une vraie bouffe d'oxygène. Et on tourne là ? Mais la séparation, elle se passe bien ? Enfin, je veux dire. Ben, disons que. Il y a encore quelques points litigieux à régler, on va dire. À partir de là, je pense que les bonnes décisions seront prises. Tout sera bien mis en œuvre. Bon allez, moi je suis mon pote Gilles, je vous invite. Bah écoute, c'est ce qu'on fait, on se rappelle, puis on voit, on explique tout ça. Ouais. Ah bah si je suis occupé là. Voilà, y'a pas de soucis. Allez, c'est ça. Allô ? Oh putain Robert, c'est toi. Alors, on en est où là ? Dis-moi. Tu as mis toutes les caméras dans la salle de bain ? Toutes les salles de bain, toute la maison, toutes les caméras. C'est bon ? Voilà ? Ok. Dis-moi, je pense à un truc. Qu'est-ce que tu en dis si jamais on mettait des caméras dans les toilettes ? Hein? Hein? Mais putain, Robert, arrête de parler comme ça là. Tu m'as cassé les couilles. Ça fait 2 ans on est en train de préparer ce projet et c'est maintenant que tu me parles toujours comme ça. On est couvert à 100%, on fait le truc. Mais oui, mais c'est. Arrête, s'il te plaît, je te donne l'opportunité de ta vie et toi tu préfères faire quoi? Faire la présentation des infos? Ok, voilà, voilà. Ok, bon, on se fait confiance, je te vois tout à l'heure. Je suis en réunion là. C'est bon ? Ouais, pour moi c'est bon. Ah. Bah je vais la chercher, hein, elle est dans sa chambre, Barbara. C'est simple et moyen votre concept de télé-réalité. C'est de la part de Robert. Vu sous cet angle, ça vaut le coup de se séparer finalement. On fait moite-moite ? Si tu veux. Mais dans ce cas-là, je vais te demander de garder un petit secret.